Issa. What about you, kid? Le trône est secoué. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Un peuple particulier. Un peuple qui a vu Dieu. Dans ces derniers jours. Est-ce que tu as vu Dieu? Colonel, vous êtes major, on est major, PDG, que vous soyez, ici, apa, mettez les galons à côté. Et quand on va terminer la réunion, kisha, en sortant ici, apa, vous remettez les galons. Na ile mampete, unarudisha. C'est le problème de notre Dieu. Nous prenons Exode chapitre 3. Notre Écriture. Paragraphe verset 8. Moussariane. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phériciens, les Héviens et les Jébusiens. Et nous prenons Natmachukua. Quoi, une deuxième écriture? Tachukua tenandiko ya pili. Ok. Zuri. Deutéronome 26, verset 8 à 10. Kumbukumbu la Torati, sura yake ya 26, mstari ya 8 mpaka 10. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus avec des prodiges et des terreurs avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ces lieux et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. Ô Éternel, tu le déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, c'est ma sage. Oh, il est clair mon chemin. Oh,
Sagesse vienne sur nous dans notre faiblesse. Donne-nous la force, oh Dieu. C'est le désir d'un chacun ce matin. Nous venons de lire ta parole, cette parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit et qui s'est trouvée dans les Écritures. C'est cette parole qui a la vie. Nous voulons le contexte, nous voulons la vie être transmise dans la réunion ce matin. Et que chaque personne qui est venue ici te raconte notre Dieu. Nous te disons merci pour la réunion de ce matin. Nous te bénissons parce que tu le mérites. Bénis la parole. Oh-nous pour le service. Quand tu vas visiter les saints partout au monde, depuis le Branham Tabernacle aux extrémités de la terre, souviens-toi de nous ici à Fellowship Tabernacle. Oh, précieux Père, je te prie ce matin, à cause de ces démons de maladie, c'est une épidémie de grippe, de fièvre, maux de tête, de tout, rime, qui est en train d'attaquer tes enfants. Nous prenons l'autorité de la parole et je déclare au nom de Jésus-Christ
que cette épidémie quitte fellowship et tabernacle. Depuis les parents jusqu'aux enfants. Que cette épidémie ne puisse pas encore entrer dans ce tabernacle. Je sécurise chaque famille. Je sécurise chaque enfant. Que tout soit gardé, épargné par toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison. Et si ces maladies sont ici, s'il y a celles qui sont tourmentées, nous les déclarons guéris ce matin. Donnez-nous la joie du salut, la joie de l'écoute de la parole. Nous voulons ta présence, Seigneur. Conduis-nous pendant ce petit moment où nous voulons te parler. Où est la bouche qui va parler, mon interprète? Bénis l'auditoire tout entier. Manifeste ta puissance. Tu es le Dieu de l'Exode. Agis puissamment. S'il y a des problèmes qui sont venus ce matin, quand la parole va sortir, que tout problème trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde cela. Nous n'avons pas un endroit à y aller. Nous devons toujours recourir à toi, parce que tu es le seul Père pour nous. À toi la gloire. À toi l'honneur, parce que tu le mérites. Bénis l'ange de cette église, notre pasteur Achille Meonga. Soutenez-le, Seigneur, alors qu'il se prépare pour son retour. Nous croyons que tu seras son Dieu. Comme tu étais le Dieu du départ, tu seras le Dieu du retour. Bénis chaque membre de fellowship. Bénis chaque famille. Bénis le diacre. Bénis chaque office. Bénis l'équipe de la musique. Nous croyons à toi. Nous nous remettons à toi. Et nous espérons que ce matin, en quittant ici, chacun va dire, notre Dieu nous a rencontré ce matin. Parle-nous intérieurement, tout pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ ressuscité, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Isaac Gala. Dieu nous a bénis la semaine. Et Mungu alitubariki katika wiki. Amen. Amen. Oh, la semaine a été tellement bénie. Wiki ilikuwa kubarikiwa kabisa. Et le vendredi, Dieu nous a bénis. Na mkazi tano Mungu alitubariki. Je pense que na zania merveilleux pour chacun. Kwa majabu kwa ajili ya kila mmoja. Tout est dans le pays. Yote ni ndani ya inchi. Hier on a connu un très bon moment aussi. Jana tulikuwa na wakati ya mzuri kabisa. La famille Boaz. Alinipokea katika jamaa ndugu Boaz. C'était vraiment merveilleux. Ule ilikuwa ya majabu kabisa. Une soirée tellement bénie. Ile jioni ilikuwa ya kubarikiwa. Boaz et Mama Sarah. Ndugu Boaz na Mama Sarah. De braves personnes. Ni watu wa shujaa kabisa. Comme Frère Branham le dit. Gisi ndugu Branham anasema. J'aime beaucoup le Frère Boaz. Napendaka kabisa ndugu Boaz. Sa manière vraiment me fait du bien. Na namna yake ya kunifurahisha. Na mke wake ni waheri kabisa, Mama Sara kabisa. Yeye ni mwanamke mshujaa. Bariki kwa utajiri. Eh kabisa ilikuwa ya majabu. Vous savez que je vais vous dire un secret, je vais parler un peu à basse voix. Mnajua nitamionyesha siri moja, sitasema sauti ya nguvu. Je suis en train de prêcher ici sur le mamba qui mangeait. Unajua hapa niko kumsemezea bale ba mama bali kuriaka batoto wa Ibrahimia na bale bali kuriaka farao jana nimeonesha nilikulia mamba ile njona yoka kiso kina yo bisio e buta mwenye nilishikia kama nakuelezea hayo ngando ndo ndo musunyele ndivo e mimi nakata mnofu hivi. Il a fait de meilleures choses. Dieu est
Vraiment, il faut plat répéter talagaka. C'était vraiment merveilleux. Ah, que Dieu soit béni pour Mungu cela. Je vois qu'il y a des gens qui m'aiment. Sincèrement. Vraiment, c'est très bien. Quand vous, les gens vous aiment, ça fait bien. Wakati watu wanakupenda, je vois vraiment que les gens m'aiment. Naona kama bantu wananipenda. Et c'est vrai que vous m'aimez, non? Shini kweli mnanipenda. Ah, vraiment que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe kabisa. Je vois là, c'est la sœur Rachel. Naona kule ni da Rachel. Comment va maman? Habari ya mama. Après la prière, Dieu a intervenu. Kisha que Dieu soit béni. Alikubali, Mungu akubariki. J'avais pensé à elle la nuit là. Niliba kumbuka katika maombi. Je savais que Dieu devrait faire quelque chose. Na nilijua kama Mungu alipasha kutenda. C'est vraiment merveilleux d'avoir des frères. Il y a des gens qui m'ont écrit, pasteur, vous partez. Moi, je n'avais pas dit ça. Moi, j'ai dit, j'ai commencé à chiter. Parce qu'à bientôt, le pasteur sera là. Pastori, mais je ne sais pas si vous m'avez écouté. Sasa, shijui kama murinyelewa. Tout le monde là qui m'écrit, vous me chassez. Alors, que je parte. Niende. Je ne comprends pas. Je commence à chiter. Parce que le pasteur est en train de se préparer pour venir. C'est ce que j'avais dit. Ni ile njo nilisema. Comment je vais partir, lui n'est pas arrivé. Namna gani mitaenda yeye ashafika. Dès qu'il arrive, akishafika, et on va faire ce que Jean et Jésus. Pale basi ndio tutafaa ile Yohane na Yesu. L'un va diminuer. Mmoja alishuka. Et l'autre va croître. Na mwingine akomala. C'est lui le patron de fellowship. Yeye njo mwenye na fellowship. Ndio anataka mulekinzela. Mie lwangu ni kumpita njia. Nako limwa na ngai. Nitaenda lwangu. Na yeye basi njo ataonekana. Amen. Amen. J'aime beaucoup le pasteur acheté. Napendaka sana pasteur acheté. Vous avez un bon pasteur. Najua mungu na pastori mwema. Soki uza na pasteur malamu uzala na fierité. Kama una pastori mzuri kuwa na fieri basi. Vous avez toujours connu de bons pasteurs. Munakuwaka paka na pastori bema. Et maintenant vous avez un meilleur pasteur. Sasa hapa munakuwa tena na pastori wa mzuri tena kupita. Voilà, c'est vraiment merveilleux. Hey, ni ya majabu kabisa. Ça fait vraiment la joie. Inalita kafura. C'est, j'attends. Nikuna ongojea, arinyolesha. J'ai commencé à faire la valise. Nesha kwanza kutayarisha. Aujourd'hui, yangu. Je mets un pantalon. Leo natia pantalon demain, moya. Je mets une chemise. Kesho natia chemise moya. Je lui ai dit, cette manière là de parler n'est pas bonne. Nilimuelezea kama hii namna ya kusema haina tu mzuri. Jusqu'à quand vous allez finir à mettre. Sasa utamaliza kupanga mashuruali siku gani? Moi aussi on me réclame. Basi mimi pia wanakuwa ananidai kule. Quand j'étais au bureau là, wakati je parlais avec mon église. Nilikuwa naongea na kanisa yangu. J'étais en relais avec eux. Nilikuwa mazungumzo pamoja nao. Faut que je parle, je l'ai tranquille. Nasema mtulie. Au mois de juin, mwezi ya sita, je dois être à la Côte d'Ivoire. Napasha kwenda Côte d'Ivoire. Et après j'irai à Yamoussoukro. Na kisha pale tenda Moussoukro. Et retourner au Gabon. Na ndio tarudia ku Gabon. Pour payer la dette de la réunion du pasteur Gomad. Jo kwenda kule mkusaniko ya pasteur Gomad. Je suis tellement saturé au mapendo. Nikusema hapa beko na nita na wananiita. Le mois de mai je devrais être à Madagascar. Et moi j'y amène, il passe à kwenda au Madagascar, lakini shitaenda tena. Tashinda kwenda kule. Le pasteur Ajeline n'a fait que me déranger. Ole pasteur yako paka na nita. Nous tous nous prions que le pasteur revienne. Sisi wote tunakuwa naomba pasteur arudie. Pour que moi aussi je puisse partir. Yo mimi pia niende. Voilà, c'est ça. Jo vile mambo iko. Je sais que na jua kama mon petit séjour au milieu de vous. Makao yangu miongoni yenu.
Dieu n'a pas manqué à dire quelque chose dans ton cœur. Parce que nous sommes que dans la parole. Nous répétons que Frère Branham. Non seulement que je suis heureux, parce que j'ai trouvé qu'il y a des gens qui m'aiment. Dans la vie, Maisha, si tout le monde vous aime, kama batu bote c'est mauvais. Il est si tout le monde vous refuse, kama tena batu bote c'est katala. Aussi mauvais. Il est il faut qu'il y ait des gens qui vous aiment. Et il y a aussi les gens qui ne vous aiment pas. Batu benyele benyewe, mais dans tout, sasa mubiote, vous bénissez Dieu. Mungu. Amen. Amen. Et ça fait la joie. Na ile na leta furaha. Je suis vraiment très reconnaissant cela. Ni kwa shukrani mbele ya ile. Bénis le frère Jacques Makila. Nabariki nduku Jacques Makila na mona pale. C'est un bon frère. Kwani yeye ni sebeki. Vous savez frère Branham dit ni nduku mwema mnajua ndugu anayo nasema. Arrivé à une église. Wakati alifika ndani ya kanisa fulani. Il demandait. Alikuwa na swali. Il y a les gens de Kentucky ici. Eti hapa kuna kwa watu wa Kentucky hapa. Frère Branham disait ça. Ndugu Branham lwaki alikuwa anauliza vile. Komo na ngoma bete. Hapana kubibeba mbubaya. Azo tuna na eglise. Anaezi kuuliza kanisa. Est-ce que batu ya Kentucky bazaleo? Ifu ashiku bantu ba Kentucky kule mwe. Let's go bat balobi. Nous sommes là dans le Joba na shimama se shia ba. Ils commencent à parler leur anglais de Kentucky. Joba naanza kuongea ile anglais yao ya Kentucky. L'assemblée sourit. Na pale kanisa inacheka. Frère Branham dit. Na ndugu anasema. Ce sont les gens ni bantu de ma province. Ba kule kwetu kujimbo. Tiens de la province, hein? Kentucky. Wakule, Jimbo, la Kentucky. Amen. Amen. Donc, je veux dire, je vois. Il y a les gens de l'Équateur. Je vois les frères et sœurs. Naona ce sont les gens na de ma province. Bantu ba Jimbo langu. Et ils m'aiment beaucoup. Na barikuwa ba mingi. Ils m'aiment de manière débordée. Oh, frère Jacques Makila. Eh, nduku Jacques Makila. Je ne sais pas quoi parler pour lui. Jui, mambo kanaizi kusema kwa ajili yake. Que Dieu le bénisse le Mungu tu wambariki tu. Il y a un frère ici qui s'appelle frère Patrick. Kuna kwa nduku moja hapa nina ke nduku Patrick. Est-ce que frère Patrick est aujourd'hui ici? Nduku Patrick est arrivé hapa. Il y a le frère Patrick là-bas. Nduku Patrick est où? Ça c'est l'autre, je demande l'autre là. Yeah, pia ule mwingine. Il n'est pas là. Il s'assoit souvent ici. Anikalaka mara mingi mafuashi. Il est un peu géant là. Eko mrefu hivi. Il m'a vu, moi avec lui, nous venons dans la même église. Arignona, mina et trois connais mukanisa moja. Même pasteur. Pasteur Imoja. Le pasteur Yengo de Guado. Pasteur Wengo wa Guado. Lui aussi vient de Guadoli. Ye pia anatokea kule Guadoli. Quand il est venu me voir. Sasa wakati alikuwa kunyona. Turiongea. Depuis que je suis là. Asema tangu niko hapa. Ton pasteur, je ne veux pas l'excuser, moi, tout ça. Eh, hey, unyue razi, pasteur, chikwe kona, unyue razi. Mais il fallait me voir. Asi, ipidi kwe unyone. Et après là, j'ai appelé le pasteur. Na ikisha pali kaita pastori. On a causé avec lui. Tuka ungea nae, muda mrefu. Et je lui ai parlé que nous sommes racontés avec Patrick. Na nirimonesha kama tulikutana huku na Patrick. Malgré le pasteur est vieilli. Hata vile pasteur ancha zeka. Il est déjà dans les 89 ans. Anisha kwenesha, miaka 89, ashubiri tena. Il est à Kinshasa. Eko kule Kinshasa. Chaque fois que nous arrivons asa, là. Asa, tukisha fika kule. Kitu ya kwanza kufanya ni kwenda kumona. C'est grâce à lui. Ni kutokea yeye. Que moi aujourd'hui. Jo mie leo. Je suis un ministre de l'Évangile. Mubiri wa injili. Il m'a tellement bien élevé. Yeye alinilea mzuri kabisa. Et il m'a montré la voie de Dieu dans le bazar. Alinionyesha njia ya Mungu ningali mtoto. Et c'est comme ça que je suis un témoignage aujourd'hui. Na njo vile leo mimi nakuya tu ushuhuda. Que Dieu le bénisse richement. Mungu ambariki kwa utajiri. Nous sommes en train de parler sur tout et dans le pays. Je serai très bref. Ne vous fatiguez pas. Peut-être je vais lire que deux citations. Samoja nitasoma tu mandiko mbiri. Et vous laissez aller. Na kumiacha mwende. Nous parlons dans tout et dans le pays. Tunakuwa na semezea yote ni ndani ya nchi. Tout est dans le pays. Yote ni ndani ya nchi. Amen. Amen. Dieu a glorifié le pays. Mungu alitukuza ile nchi. Il a dit le pays est vaste. Asema nchi ni mkubwa. Le pays est bon. Nchi ni mrembo. Le pays est béni. Nchi inabarikiwa. Il y a tout. Na kunakuwa kila kitu. Vous savez tout avec te. Unajua ile yote na te. Sasa ina rien qui manque. Ni kusema hakuna kitu kinakosa. Tu es dans le pays. Kusema kama kundani ya inchi. Vous avez tout. Uko na vyote. N'est-ce pas là une bénédiction? Eti ile haina baraka. Et
ton problème entre dans le pays. Dès que tu es dans le pays, vous avez tout. Tout ce que tu as besoin est dans le pays. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent le pays ce matin? Abraham dit, le pays, c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout. Amen. Amen. Parce qu'il y a tout dans le pays. Gloire à Dieu. Et ils étaient des pèlerins. Ils étaient des voyageurs. Ils avaient entendu parler du pays. Mais ils ne sont pas arrivés au pays. Personne n'était avait vu le pays. C'était seulement Moïse. Il voyait le pays. Il savait le pays parce qu'il était un prophète. Mais quand ils arrivaient à Kadesh Barnea, il y a les espions qui sont allés explorer le pays. Branham dit, le pays est réel. Vous devez les posséder. Oh, c'est merveilleux. J'aime le pays. Dis, le pays que Dieu nous a donné. Il nous a fait sortir. Et il nous a amené dans le pays. Maintenant nous sommes dans le pays. Et la Bible dit, chacun a sa terre. Nous amenons le prémisse de notre récolte et nous apportons à l'Éternel et nous nous prosternons devant lui. Amen. Amen. Une fois dans le pays, vous devez apporter le prémisse, vous devez apporter le dîme, vous devez apporter les offrandes pour montrer que vous êtes dans le pays. Le Christ n'est pas le bienvenu. Le Christ abampoke mzuri. Le 2 octobre 1955. Tare apiri mwezi ya 10 mwaka ya 51. Je ne parle pas de l'histoire de cette femme là. Ndubrana makona semeze hapa historia ya ule mwanamke. Marie Magdala. Ule Marie Magdala. Oh, c'est merveilleux. Hey, ni amachabu. Alors, 56. Ayaki amsinina sita na tashuka. Dit quand elle pleurait. C'est ma wakati alikuwa analia. Elle lavait ses pieds. Na alikuwa anaoshwa mikono yake. Elle était hors d'elle-même. Alikuwa shakutoka ndani yake. Elle ne savait quoi faire. Akujui tena cha kufanya. Dieu nous aide. Eh, Mungu atusaidie. Être hors de nous-mêmes. Tutoke ndani yetu. Assez longtemps. Mwakati mulefu. Pour être en tout cas sauvé. Jubasi tuokolewe. Est-ce que quelqu'un veut être hors de nous-mêmes ce matin? Kutoka ndani yake. Sortez hors de vous pour servir Dieu. Vous devez être hors de soi-même. Cette femme n'a pas regretté, n'a pas regardé ce qu'elle était. Mais quand elle a vu Jésus, il n'était pas le bienvenu. Écoutez bien, frère. Quand il a vu Jésus, wakati aliona Yesu, qui n'était pas le bienvenu, kusema bakumpoke mzuri, parce que la prédication c'est le Christ, kwani n'est pas le bienvenu. Christ bakumpoke mzuri. On l'a invité à une fête. Barimwalika kukaramu. On l'a envoyé l'invitation. Barimpachia aliko. Mais regardez la rise de Simon. Sasa angara ujanja bwa Simon. Dans la prédication, l'homme le plus méchant que je connaisse. Nyama ubiri muntu mkali mwenye najua. Un des hommes le plus méchant que je connaisse. Wala mmoja katikati ya watu wakali na chua. Dubrahama anasema wakati alituma maliko kwa warafiki yake, ile rai kilamba alibandikia kule chini, mushikose, kwani Yesu atakuwa pale, kwani kazi yabo balikuwa anakuwa kule ukaramu kwa kuenda kumchekelea Yesu.
Et dans l'invitation de Jésus, na katika ile aliko ya Yesu, c'était une invitation simple. Ilikuwa tu ni aliko ya kawaida. Et il a envoyé. Na alituma yo vile. Et quand ils ont vu, na wakati walipo, ne manquez pas. Mushikose. Jésus sera là. Yesu atakuwa hapo. Mushikose. Yesu atakuwa hapo. Ils ont dit, barisema, on ne va pas manquer. Hey, c'est comme ça qu'ils sont venus nombreux. Na ndio vile balikuwa ba mingi. Dans la fête. Kule kukaramu. Kwani Yesu alikuwa pale. Et il devrait les rigoler. Na baripasha kumpatishaya. Christ. Christo. N'est pas le bienvenu. Aba kumpokea mzuri. Est-ce que ce matin? Eti asubuhi. Il peut être le bienvenu dans votre famille. Eti kumpokea mzuri. Il peut être le bienvenu dans votre cœur. Eti unaweza kumpokea mzuri ndani ya moyo wako. Il peut être le bienvenu dans votre vie. Eti unaweza kumpokea mzuri maisha mwako. Parce que d'habitude, mani mara mingi, il n'est pas le bienvenu. Aba mpokea yake mzuri. Mais cette femme, sasa huyu mwanamke, elle est arrivée. Wakati alifika, elle était aussi invitée à la fête. Yeye pia alimwalika kule karamu. Mais elle a regardé. Lakini alangalia. Simon recevait les gens. Namna gani Simon alikuwa anapokea watu? Namna gani alikuwa anaheshimia marafiki yake? Alikuwa anabaosha mikono. Alikuwa na mabusu. Na alikuwa anawapachia ile taji. Jua kutia kukichwa. Jua kuwaheshimia kabisa. Sasa wakati Yesu aliingia, Simoni alangalia na marafiki yake, bakaanza kumcheka. Basi Yesu akaisimama pale. Hakuna mtu alimgusa, hakuna mtu alimpokea, hakuna mtu alimuosha miguu. Il est resté debout. Alisimama pale. Hakuna mtu akumpokea. Il s'est débrouillé lui-même. Basi akaanza kuliangalia peke. Ndio alianza kukala. Moya ya shipomana. Et il s'est placé là sur la terre. La femme est là. Sasa ule mwanamke. Quand elle a vu ça. Wakati aliona ile. Non. Alisema hapana bia hivi. Le Christ. Huyu Kristo. Dieu l'a révélé. Mungu alimfunua. C'est comme ça qu'elle est venue. Na njo vile alikuya. Elle est tombée sur ses pieds. Akaanguka kumikuu yake. Branham dit. Branham asema. Dieu a ouvert ses yeux. Mungu akafungula macho yake. Ses yeux sont devenus les robinets. Macho yake ikakuwa basi mampompi. Oh Dieu merveilleux. Mungu ni wa maajabu. Mai kaza kutiririka macho yake. Mayo ya Simon. Na yeye ashukutuka hata mayo ya Simon. Robine bande supola makolo. Ni mpompi tu ikaanza kuosha mikulu. Dieu ne manque pas de témoins. Mungu ashikosake wa shuhuda. Hata yo salite. Hata wewe utimize. Ezana hoyo akosala. Mwingine atatenda. Dieu ne manque jamais de témoins. Mungu ashikosake wa shuhuda. Il peut utiliser même un corbeau. Anaweza kutumikisha hata kikindeke. Pour vous honorer. Dieu akukheshimia. Dieu a envoyé le corbeau. Mungu alituma ile ule kikunguru. Pour nourrir Elie. Dieu a kwenda kumulisha Elia. Il est le même Dieu. Eko Mungu moja moja. Il est inhabituel. Yeye abamzobele yake. Ne pensez pas que comme toi tu ne fais pas. Hapana kuzania sasa vile wewe ufanyaje. Dieu va manquer quelqu'un. Asema Mungu atakosa mtu. Ah non, c'est merveilleux. Hapana, niambia machabu. Dieu ne manque pas. Mungu ashikosake mshuda. Dieu nous aide. Mungu atusaidie. À être hors de nous-mêmes. Tutoke ndani yetu. Assez longtemps. Wakati mrefu. Pour être en tout cas sauvé. Ndio tufike mkokolewa. Elle avait certainement violé toutes les instructions de la fête. Yeye basi ashikuheshimia hata kanuni moja ya ile karamu. Quelle fête avait lié là? Ile fête yenyewe ilifanyika kule. Qu'avons-nous à nous soucier? Ni nini tutangaika? Ce qui se déroulait à la fête. Kwa ile mambo yalikuwa yanafanyika kwa karamu. Nombre d'instructions. Wingi ya madhibisho. Elle avait violé. Yenyewe alivunja. Elle allait se présenter devant Jésus. Alipasha kwenda kujieleza mbele ya Yesu. Et être sauvé. Si kuokolewa. Et c'est ce qu'il nous faut. Na ni ile njo inatupa. Ce matin. Kufanya hii asubuhi. C'est de nous trouver devant Jésus. Kwenda kushimama mbele ya Yesu. Être sauvé. Na kuokolewa. Peu importe. Aizu. Que vous violez les instructions. Wingi ya manani tutavunja. Ou les règlements. Wala ile makanuni. Ça n'a rien à voir. Hatuna takule. L'essentiel. Ya mana. C'est de se tenir devant Jésus. Kwenda kushimama mbele ya Yesu. Et elle lavait ses pieds. Na alikuwa anaosha mikulu yake.
trompe. Je lis et ça se bloque directement. Ça, c'est quel combat ça? Chanson en attendant que j'ouvre parce que je dois lire. Ça va chaque somme. Ce sera une vie glorieuse.
vêtus en blanc. Avec Jésus, ils vont fêter tous les temps. Viens dîner, le maître t'appelle. Viens dîner, tu peux fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la femme. Viens dîner, viens, viens. Viens dîner, le maître appelle. Viens dîner, il peut fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la femme. Je me réjouis nuit et jour comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Et la raison de ma joie, le secret de tout cela, les consolateurs des nains. Puis il demeure, alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins de la joie, les jours, la nuit, les consolateurs des mains. Oh, alléluia, alléluia, il demeure moi. Marchons sur les trois chemins de la joie, les jours, la nuit, les consolateurs des mains. Dans le péché, n'ai à point d'épée en moi, jusqu'au jour où j'y comprends. Jésus mourut, et je tombai à ses pieds, et une douce paix m'est remplie, le consolateur. Qu'avons-nous à nous soucier de ce qui se déroulait à la fête? Du nombre d'instructions qu'elle avait violées, elle allait se présenter devant Jésus et être sauvée. C'est ce qu'il nous faut faire ce matin, c'est de nous trouver devant Jésus et être sauvée. Amen. Amen. Peu importe Aïsou que vous violez les instructions Aïsou ou les règlements
Voilà, il est ça n'a rien à voir. L'essentiel, Yamana, c'est de se tenir devant Jésus. Elle lavait ses pieds avec ses larmes. Et elle était la chose suivante. Vous savez, elle était si émotionnée qu'elle s'est relevée et tous ses cheveux. Qu'elle avait relevé avec des épingles sur la tête retombée et elle s'est mise à essuyer ses pieds avec les cheveux de sa tête. Ça aurait été un mauvais quart d'heure pour beaucoup de sœurs chrétiennes de faire ça. Elles se seraient tenues sur leur tête pour faire ça. Mais elles n'ont pas assez de cheveux pour essuyer ses pieds avec leur chevelure. Amen. Amen. Il dit la seule chose que cette femme avait comme gloire, c'était ses cheveux. Ce frère Branham dit. Mais c'est difficile. Avec les gens aujourd'hui, pour voir Jésus comme ça, et accepter d'aller faire ça dans cette condition. Abraham dit, je ne dis pas ça pour plaisanter. Mais je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, la chevelure d'une femme est sa gloire. Abraham dit oui. Quand Dieu vous donne la chevelure, c'est la votre gloire. Mais cette femme n'a pas regardé à sa gloire. Et la vie que la gloire de Jésus était plus que sa gloire. Alléluia. Amen. Voyez comment cela s'emboîte. Là, avec ses larmes de repentance, elle lavait ses pieds. Elle a fait les choses décentes qu'elle avait. La seule chose décente qu'elle avait, c'était sa chevelure. Et sa gloire tomba. Frère me dit Alléluia. Sa gloire. Et essuyait le pied de Jésus avec sa gloire. Frère me dit Alléluia. Alléluia. Il dit Dieu, que je suis ce pied avec tout ce que je dois utiliser pour Kupanguza. Alléluia. Amen. Quand vous voyez Jésus Yesu en difficulté, katika matatizo, voyez tout ce que tu as. Essayez de faire quelque chose. Bima kujaribu kufanya kitu fulani. Pour honorer Jésus. Yesu kumheshimia. Est-ce que vous savez? Et tunajua. Que Jésus aime l'honneur. Ma Yesu anapendaka heshima. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un à élever, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Christo. La femme, ule mwanamke, en d'autres termes, misemo ingine, typifie l'église. Anakuwa namaanisha kanisa. Et la vie, na, que Jésus est abandonné. Na, ile uzima Yesu aliachilia. Mais elle est venue. Lakini alikuya. Utilisé. Ses propres moyens. Ce qu'elle a fait, c'était la chevelure. Branham écrit que Dieu lui aide. A essuyer le pied de Jésus. Il doit utiliser tout ce qu'il a pour essuyer.
Que je l'adore en esprit. Ni mwabudu katika roho. Que je fasse tout mon possible. Nifanye yote liwezekana. Pour louer souhaiter. Ya. La bienvenue dans mon cœur. Mwalika ndani ya moyo wangu. Est-ce que quelqu'un va souhaiter la bienvenue? Si mtu atamwalika mzuri. Dans son cœur ce matin. Ndani ya moyo wake. Que Jésus entre dans ton cœur. Yesu aingie ndani ya moyo wake. Parce que tant que Jésus va entrer. Kwani wakati Yesu ataingia. Vous savez tout. Huku na vyote. Amen. Amen. Elle a tout fait. Narifa yote. Elle souhaitait. Alikuwa anapenda. Yesu entre dans son cœur. Yesu aingie ndani ya moyo wake. Entre la bienvenue. Et anakumkaribisha. Oh, c'est merveilleux. Et ni amajabu. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. William Branham. William Branham. Une telle connaissance. Dieu a eu ujuzi ya hivi. Dieu. Mungu. Que je l'adore en esprit. Ni mwabudu katika roho. Que je fasse tout mon possible. Nifanye yote liwezekana. Pour lui souhaiter. Dieu akumtakia. La bienvenue dans mon cœur. Karibu sana ndani ya moyo wangu. En disant. Mukusema. Bien-aimé Seigneur Jésus. Mupenzi Bwana Yesu. Prends-moi ici. Unichukue hapa. Et fais ce que je t'appartiens. Nafahamu namna kusema nipate kuya wako. Appartenez à Jésus. Kukuye kwa Yesu. Elle souille ses pieds. Na mpanguze mikulu yake. Avec les cheveux de sa tête. Na ile nywele yake. Et la chose suivante. Na kitu kilifuata. Vous savez. Kitu kinafuata. Elle s'est retrouvée. Alijikutanisha. Ndugu Branham imite le bruit de baiser. Ndugu Branham anafuatirisha namna kubusu. Comment elle était en train de baiser Jésus. Namna gani alikuwa anabusu mikulu ya Yesu. En train de baiser ses pieds. Alikuwa anabusu mikulu yake. Et je vous assure. Na namhakikishia. Le pharisien. Ule mfarisayo était devenu pâle. Jonas alibakia pale. Et puis rouge. Na alikuwa wa kushirika. Le diable s'était vraiment emparé de lui. Shetani alikuwa shakamatana naye. Je peux le voir. Na uweza kuona. Branham aimait son guitaral trois fois. Duku Branham anakuwa anafuatirisha kinanda. Oh, qu'est-ce qu'il était furieux. Eh, namna gani alikuwa shirika. Abîmé sa tête. Ndio kuharibisha kichwa yake. Sa renierre son église. Ilipasha kuharibisha kafumu ya kanisa yake. Sa renierre son église. Ilipasha kuharibu kanisa yake. Et n'allez jamais. Hapana kwenda. Eh bien. Na mzuri. S'est-il dit. Arisema. Dis donc. Arisema basi. Si cet homme. Kama tu mutu. Était un prophète. Alikuwaka nabii. Il saura quel genre de femme. Alipasha kuvumbula aina ya mwanamke. Est près de lui. Mwenye kumkaribia. Abraham dit. Ndio anasema. Écoutez. Sikilizeni. Eh bien. Mzuri. Ça nuira sa réputation. Ilipasha kuharibu kafumu yake. Non. Hapana. Il a tort. Eko na kosa. La réputation de Jésus. Kafumu ya Yesu. C'est fait. Iko na fanika. Là où sont les pécheurs. Ile fuashi kuna kwa watenda zambi. Hallelujah. Amen. Là où y a le pécheur. Fuashi kuna kwa watenda zambi. C'est là où sa réputation. Pale njo kafumu ya Yesu inapandaka. Est-ce qu'il y a des pécheurs ici? Kuna kwa watenda zambi hapa. Alléluia. Amen. Jésus aime le pécheur. Yesu anapendaka watenda zambi. Si s'il était prophète, kama tu alikuwa nabii huyu, il connaîtra. Alipasha uvumbula. Qui est cette femme? Huyu mwanamke ni nani kabisa? Comment elle peut parler avec lui? Namna gani tu anaweza kwanza kuongea naye? Diminuer sa réputation. Ilipasha kushusha kafumu yake. Na écoutez frère Branham. Lakini sikia ndugu Branham. Le savant religieux. Yeye mwenye kwa ujuzi wa kidini. Là où y a le pécheur. Asema fuashi panakuwa mtenda zambi. Là où y a la réputation de. Ni pale njo panakuwa kafumu ya Yesu. Parce que quand le pécheur rencontre Dieu. Kwani wakati mtenda zambi anakutana na Mungu. Rencontre la lumière. Anakutana na nuru. La lumière elle rechange. Ile nuru inambadilisha. Oh, c'était merveilleux. Hey, ni amajabu. C'est là où il y a la réputation. Ni pale njo kuna kwa kavumu. Que le pécheur vienne à lui. Mtenda zambi akuye kwake. Ça ne nuit jamais à sa réputation. Ile aipomonake kavumu yake kamwe. Ça ne nuit jamais à sa réputation. Ayarabishake kavumu yake. Ça fait plutôt sa réputation. Ile njo inapandishaka kavumu yake. Parce qu'il va te dire. Kwani atakuya. Va.
uende ne pêche plus na ushitende tena zambi pêche sans pardonner yako inarumiwa haleluya amen et c'est ce que Jésus lui a dit na enjoy ile Yesu alimwelezea zambi yako sans pardonner na samewa et les pharisiens ont dit eh wa farisayo alisema huyu ni nani basi tu me pardonner le péché kurumia na zambi parce qu'il ne savait pas. Kwani hawakujui? Kwaye pa lui. Hawakuwa na muamini. Hawakujui kama yeye ni Mungu. Oh, c'est merveilleux. Yeye ni ajabu. Ndio wanasema. Nous avons besoin d'avantage. Tunahitaji tena zaidi. De cela. Na ile. Des pécheurs devant Jésus. Pale watenda zambi mbele ya Yesu. Pour faire une réputation. Ya kutunga kafumu fulani. Quand ils sont prêts à se repentir. Kwani beko tayari kutubu. Et là, na pale, elle était vraiment hors d'elle-même. Na pale alikuwa shakutoka ndani yake. Elle pleurait. Alikuwa analia. Elle continuait. Na alikuwa anaendelea. Vraiment, elle ne savait pas qu'elle faisait. Na kujui yeye alikuwa anafanya. C'est ce que nous voudrons faire. Ni ile ndio tunapenda fanya. Devant Christ. Kwa kia mbele ya Kristo. Jusqu'à ce que mpaka pale. Vous puissiez vous perdre. Utapotea. Umela liboso na ye. Kawa tena zaidi mbele yake. Umela liboso na sango. Kawia mbele yake. Jusqu'à ce que mpaka pale. Boyo bia boyo elongwa. Ile roho itatoka. Tango umeli ni bosona ye. Wakati unakawia mbele yake. Yako longola ngai. Ye njo atatosha ile umie. Achemo libu na ye. Anatia roho yake. Amen. Amen. Cette femme devrait demeurer. Umwanamke alipasha kukala kutumu pale. Na alipasha kuendelea. Ce que nous devons faire. Na ni ile njo tunapasha fanya. Elle continue. Na alikuwa anaendelea. Elle ne savait qu'elle faisait. Ashkujue binyari alikuwa anafanya. Ni ile ndio tunapasha fanya. Kubakia mbele ya Kristo. C'est que vous puissiez. Mpaka pale utapotelea hapo. Ye chantise. Ile mwimbo ya zamani ilikuwa anasema. Je me perds. Nipote. Pour trouver cela en toi Seigneur. Nipate ndani yako Bwana. Que je perds de tout le prestige que j'ai. Nipoteshe kafumu yote niko nayo. Que je perds de tout afin que je puisse me retrouver en toi. Nipoteshe yote njuri jikutanishe ndani yako. Oh, c'est vraiment merveilleux. Eh, ni ajabu kabisa. Je vais perdre tout. Ini ni mzuri kupotesha yote. Pour me retrouver en toi. Njoo tujikutanishe ndani yako. C'est la chose qui me préoccupe. Njoo kitu kinye kinakuwa ananisumbua. Alors tout à coup. Basi pale. Vous savez. Najua. Les pharisiens s'est mis à parler. Mfarisayo akaanza kusema. Elle s'est levée. Na akashimama. Jésus a regardé. Yesu akaangalia. Il a dit. Alisema. Simon. J'ai quelque chose à dire. Niko na kitu ya kusema. À ton sujet. Kuhusu mambo yako. Je suis venu chez toi. Wakati nilikuja kwako. Sir ton invitation. Kujibu kualiko yako. Et tu ne m'as point lavé le pied. Na aukunioshe mikulu. Il a dit. Na alisema. Mais cette femme. Lakini mwanamke. La fait. Aliosha mikuu. Et il a dit. Na alisema. Tu ne m'as point donné de baiser. Weye aukunibusu. Tu ne m'as pas souhaité la bienvenue. Weye aukunikaribishe. Tu ne m'as donné aucun onge pour me mettre sur la tête. Weye aukunipe hata heshima moya ya kutia pa kichwa wala taji. Mais il a dit. Lakini alisema. Cette femme. Huyu mwanamke. Depuis qu'elle est entrée. Tangu aliingia. Elle n'a point cessé. Yeye ashikuache. De me baiser même les pieds. Unibusu mikulu. C'est toi qui m'as invité. Wewe ndio unialika. Tu ne m'as pas accueilli. Au kunipokee. Mais cette femme. Lakini huyu mwanamke. A été révélé. Yeye alipata ufunuo. Il s'est tourné vers la femme. Akageuka kumwangalia mwanamke. Pour cet acte de bravoure. Dieu a ile tendo ya ushujaa. Il a dit. Alisema. Et je te dis. Na kuelezea. De nombreux péchés. Mazambi yako mingi. Te sont tous pardonné. Yote inakusamewa. Ho! Hey!
Que nous importe ce que le monde pourrait dire. Aizuru yoyote nye dunia nizisema. Tant que je vais attendre ces paroles. Ile wakati yote nizi kusikia tu ineno. De nos péchés. Mazambi yako yote. Te sont pardonnés. Na kusamewa. Est-ce qu'il y a des gens. Eti kuna kwa watu. Ce matin. Qui veut accepter Jésus dans leur vie? Qui souhaiterait laver ses pieds? L'invité, comme l'invité d'honneur. Et quand il vient, il entre. Les péchés seront pardonnés. Alléluia. Alléluia. Je te déclare ce matin. Le Dieu de William Branham. C'est le Dieu qui pardonne les péchés. Si tu avais un péché, que Dieu te pardonne. Frère Branham dit, quand le ministère vient, ça amène le pardon de péché. Amen. C'est la première chose. Le ministère doit délivrer. Peu importe la situation des gens. Quand Dieu envoie un ministère, et que ce ministère vient de Dieu, la première chose, c'est la délivrance. Et dans l'Exode, nous parlons de la délivrance. Et je le crois. Ce matin, de fellowship, je vous déclare délivré. Même si on avait dit quoi au sujet de ta vie. Même si on avait pris ton habit, on a déplacé quelque part. Même si on te cherche, de quelle manière le Dieu de l'Exode est le Dieu de la délivrance. Et ce matin, je te déclare au nom de Jésus-Christ, soyez délivré sur tous les plans. Oh non. Et toi là, oui. On avait déjà déplacé ton diplôme. Oui, jeti yako diplôme yako barusha ubeba. Jamais du travail. Oui, hausapataka kama kazi. Nous disons non. Hapa tunasema hapana. Ce matin, hii asubuhi, ton diplôme va rayonner. Diplôme yako itaongala. Je te donne le travail. Naam, kwa kupe kazi. Kwa sababu ya travail. Pokea kazi. Il est le Dieu de l'Exode. Tout est dans le pays. Je crois. Na mine. Et je sais. Na que je suis dans le pays. Na niko ndani ya je inchi. Connais le pays. Na jua ya et inchi. Je connais la réalité na du na pays. Jua ile ukweli ya ile inchi. Quand Jésus vient, wakati Yesu anakuja, il n'y a rien qui reste. Hakuna kitu kinabakia. Et Abraham a dit, quand le peuple est délivré, wakati taifa na kombolewa, la chose est suivante. Ile kitu tafuata, Dieu doit pardonner leur péché. Que vos péchés soient pardonnés. Amen. Amen. Et quand les péchés sont pardonnés, maintenant, recevez le travail. Devenez millionnaire. De faire ce que tu veux. Que Dieu te donne le désir de ton cœur. Tout ce que ton cœur désire. Dieu doit te le donner. Parce que Frère Branham dit, la troisième chose, Dieu doit bénir ses enfants. Même si tu peux commencer avec un gobelet d'arachide, il y aura un dépôt d'arachide. Alléluia. Si tu peux commencer avec un sac de braise, il y aura des véhicules qui vont amener des braise. Le dépôt ne sera jamais cessé. Vous le croyez? Il est le Dieu de l'Exode. L'Exode doit changer nos vies. Il est kutoka na pasha badirisha maisha yetu. Sur tous les plans. Mukila kitu. Parce que tout. Kwani yote. Est dans le pays. Ndani ya inchi. Et quand vous venez à Jésus. Na wakati unakuwa leo. Les péchés sont. Mazambi. Nasamewa.
C'est Jésus qui a dit à la femme. Yesu ndiye aronesha ule mwanamke. Tes nombreux péchés. Tes mazambi yako mingi mingi. Inasamewa. Que les pharisiens ont ri. Hata vile wa farisayo walicheka. Asa sama angaria huyu. Anaza rumiana mazambia. Hata kufa huyu. Ndio wangu nasema. Mkutokia tule wakati. Ni mazambi yake ilisamewa. Kwa nafsi yake iliokolewa. Kwa ndani yake. Mulikuwa uwakilisho fulani. Ile mbeko ya Mungu iliingia. Na yeye alikuwa mwanamemba wa kwenda kumbingu. Na pa udongo. Yeye ashukue tena mtenda zambi. Amen. Amen. Oh, c'est vraiment merveilleux. Ni ya majabu kabisa. Oh Dieu. Eh Mungu. Un jour. Siku moja. Quand la vie sera terminée. Wakati maisha tamalizika. Je voudrais ramper jusqu'à ses pieds. Tapenda nitambale kumikulu yake. Je voudrais juste ta porter ses pieds. Ntapenda tu nipike pike kwa mikulu yake. Qui allait porter ses cicatrices, le plein de clous. Le mikulu nyeri chukuaka ile. Et te poser là. Londa ilikuwa pale. Ya elle le lavait. Na alikuwa anaiosha. Elle lavait avec des larmes. Na alikuwa anaiosha na machozi ya kitubio. Les a essuyé. Alipanguza. Avec la gloire de sa chevelure. Na ile utukufu ya nywele yake. Elle les a baissé. Na alibusu. Avec ses lèvres. Na mdomo yake. Et la graisse. Na ile mafuta. Et l'huile. Ile mafuta. Et encore sur ses lèvres. Ilikuwa ingariki pa milomo yake. Et elle restait là debout. Na alibakia pale kuimba. Attendant de voir. Kukongojea kona. Ile nyari pasha kusema. Ce que Jésus allait dire. Ile Yesu alipasha kusema. Ce que Jésus. Nile napenda Yesu. Puisse dire une bonne parole pour toi ce matin. Aseme koneno mzuri kwa ajili yako. Est-ce que quelqu'un veut que Dieu lui dise une parole? Si mtu anapenda hapa Mungu amuelezee kwa kitu fulani. Que Dieu dise la même parole pour toi ce matin. Inabidi Mungu aseme ile neno moja moja kwa ajili yako. Ça changera le reste de votre vie. Na ile tabadilisha mabaki ya maisha yako. Parce qu'il est Dieu. Kwani yeye ni Mungu. Pour tout ceci. Kwa ajili ya hii yote. Tout ce qu'elle avait. Na ile yote alikuwa nayo. Elle l'avait sacrifié. Alitolea. Toute sa gloire. Utukufu yake yote. Quand vous voulez servir Dieu. Wakati unapenda mtumikia Mungu. Sacrifie toute ta gloire. Wewe tolea yote kunabio. Mettez votre gloire de côté. Ya utukufu yako pembeni. Et mettez-vous à son service. Na anza basi kumtumikia. Pour le servir. Dieu wa kumtumikia. Sacrifier la gloire. Tolea ile utukufu yako. Son argent. Ile pesa yake yote. Ce qu'elle avait gagné. Yote yenye aliwina. La souffrance. Mu mateso. Elle est allée acheter. Alienda kununua. Le parfum le plus cher. Ile parfum ya bei kabisa. Juste pour le pied de Jésus. Njutu ya mikulu ya Yesu. Qui est Jésus aujourd'hui? Nani Yesu leo? Tout ce qu'elle avait. Yote alikuwa nayo. Elle avait sacrifié toute sa gloire. Alitolea ile utukufu yake yote. Tout son argent. Pesa yake yote. Tout ce qu'elle avait. Yote nyari kwa kanayo. Elle avait mis. Na ashukue na kitu. Elle avait dépensé tout ce qu'elle pouvait pour lui. Alitumikisha yote alikuwa nayo kwa ajili yake. Je suis dans le pays. Niko ndani ya inchi. Tu m'as béni. Uri nibariki. Je dois t'apporter. Napasha kukuletea. Alléluia. Amen. Le fruit de ma récolte. Ile matunda ya mavuno yangu. Hein? Non. Vous avez suivi bien les critiques. Quand on est dans le pays. Wakati kundani ya inchi. Et que Dieu t'a béni. Na Mungu alikubariki. Qu'est-ce que vous allez faire? Unapasha fanya. Vous allez apporter. Unapasha kuleta. Tout ce que vous possédez. Yote yenye kunayo. C'est ça la loi de l'exode. Ile njo torati ya kutoka wala sheria. C'est la loi de l'exode. Inakuwa ni sheria ya kumsafu. Cette femme. Ule mwanamke a reconnu l'exode de son temps. Alitambua kutoka kwa wakati yake. Le messager de son temps. Ule mchume wa wakati yake. Et il devrait le faire. Na alipasha kuitimiza. Dieu akonesha kama alikuwa katika kutoka. Oh, c'est merveilleux. Ni ya majabu.
Promettez-vous de le faire pour Jésus. Oh, c'est merveilleux. Elle a tout fait. Et elle était là. Na alikuwa pale. Elle lui baissait le pied. Alikuwa anabusu mikulu. Et ses lèvres. Na midomo yake. Elle était tout graissée. Midomo yake ilikuwa na mafuta mafuta. Avec des langues. Na. Les larmes. Na machozi. Lui coulait sur les joues. Ilikuwa anamtiririka pa machafu. Ses cheveux. Ile nywele yake ilikuwa inashuka. Ilikuwa shalobana. Avec la graisse. Na ile mafuta. Et l'huile qui était sur ses pieds. Na ile mafuta ilikuwa pa mikulu yake. Comme cela. Et ilikuwa vile. Quand elle a ouvert la boîte. Wakati alifungula ile kopo. Le nard qu'elle a tout répandu sur ses pieds. Ya ile manukato alitia alimimia pa mikulu yake. Chaque goutte de cela. Kila toni ya ile manukato. Le nard est conservé. Yeye akuchunge hata mkiloko. Alléluia. Amen. Elle a tout déversé. Yeye alimpunguzia yeye. Oh, vraiment c'est merveilleux. Eh, ni amajabu kabisa. Cette femme. Huyu mwanamke. Devrait être récompensée. Yeye alipasha pokea mshahara yake. Pour avoir honoré Jésus. Sa vile alimheshimia Yesu. L'église. Kusema kanisa. Honore Jésus de ce niveau-là. Apasha kama kanisa inaheshimia Yesu mule kipimo. Jésus va faire encore des grandes choses. Yesu atafata na bikubwa. Et il était là. Na alikuwa pale. Elle était assise là. Alikuwa pale mwenye kuikala. Il a dit. Alisema. Tes nombreux péchés. Mazambi yako mingi. Te sont tous pardonnés. Yote na kusamewa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Ce matin. Hii asubuhi. Aote. Mkutosha. Et nous débarrasser. Na kutuachanisha. De nos idées. Na mawazo yetu. Pretentieuse. Ile ya kujifuna nayo. Et formaliste. Na ya kujifanishia tu. Et a trouvé Jésus Christ. Na kupata Yesu Christ. Et a l'aimé. Na kumpenda. Oh. Yeah. Oui, s'est-il accordé cela? Apate kogui kubali. À chaque pécheur. Kwa kila mtenda zambi. Perdu qui est ici ce matin. Mwenye kupotea na mwenye kwa hapa ya asubuhi. Pendant que nous inclinons la tête. Kwa wakati tunanyamisha vichwa. Que Dieu le fasse. Mungu aikubali. Pour chacun de nous ce matin. Kwa kila mmoja wetu ya asubuhi. Amen. Amen. Elle s'est sacrifiée. Aritolea. Et Dieu l'a visitée. Na Mungu alimtembelea. À cause Jutu de son sacrifice. Ya kujitolea kwake. Cette femme. Huyu mwanamke. A été révélée. Yeye alipokea ufunuo. La révélation. Kupitia ufunuo. C'est la meilleure chose. Ufunuo ni kitu kia muhimu. Même quand ils étaient dans le pays. Hata wakati utoku ndani ya inchi. Pas tout le monde qui a donné. Aina watu wote njoo wanapokea. Lakini kulikuwa wa Mungu. Mungu alikuwa anawafunulia. Ule fulani. Qui avait servi Dieu. Njoo walitumikia Mungu. Jésus glorifié. Yesu mwenye kutukuzwa. Le 25 février 55. Tarehe 25 mwezi wa pili mwaka wa 55. Ayaki hamsini na sita. Pour ceux qui avaient la révélation spirituelle. Kwa ajili ya wale walipokeaka ile ufunuo ya kiroho. Qui croyaient la parole de Dieu. Wenyewe walikuwa naamini neno la Mungu. Et croyaient que Jésus allait venir. Na walikuwa naamini kama Yesu anapashaka kuya. Il était effectivement venu. Kabisa alikuyaka. Ils croyaient la même chose aujourd'hui. Na beko naamini tena kitu moja leo. Qui reviendra. Kusema tarutia. Nous avons la révélation spirituelle. Tuko na ile ufunuo ya kiroho. Que Jésus Christ. Kusema Yesu Kristo. Elle est même hier. Anakuwa mmoja jana. Aujourd'hui. Leo. Éternellement. Hata milele. Sa puissance. Uwezo wake. Est ici maintenant. Iko hapa hivi sasa. Son esprit. Roho yake. Est ici maintenant. Iko hapa hivi sasa. Si quelqu'un aura besoin du Saint-Esprit. Mungu mtu anahitaji Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit est ici maintenant. Roho Mtakatifu iko hapa hivi sasa. Si quelqu'un a besoin de Dieu ce matin. Kama unahitaji Mungu Yesu. La puissance de Dieu. Ile uwezo wa Mungu. Est ici maintenant. Iko hapa hivi sasa. Sa guérison. Ile uponyaji wake. Est ici maintenant. Iko hapa hivi sasa. Son salut.
okofu yake atisi maintenant iko hapa hivi sasa tous ces dons yote nyewe nous avons besoin tunahitaji atisi maintenant iko ni hapa hapa sasa acclame très fort pour le Seigneur ushangilie nguvu sana Bwana. Tout ce dont nous avons yotenye tunahitaji besoin tunahitaji est ici iko hapa maintenant hapa sasa. Tu as besoin de quoi? Unahitaji nini? Qu'est-ce que tu as besoin? Nini unahitaji? Isaac, tu as besoin de Isaac, quoi? Unahitaji nini? Mama pesa. Pasi, tu as besoin mama de patience, quoi? Unahitaji nini? Jésus dit tout ce dont Yesu anasema yote nous avons besoin unahitaji est ici maintenant iko hapa hivi sasa. Quel est ton besoin ce matin? Nini unahitaji yako ya asubuhi? Quel est ton besoin? Nini unahitaji yako? Tu as besoin de quoi? Nini unahitaji? Qu'est-ce que tu as besoin? Il doit agir. Ana pasha tena. La révélation spirituelle. Ufunuo ya kiro. Il est dit. Anasema. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ ni mmoja jana. Aujourd'hui. Leo. Et éternellement. Na hata milele. S'il était dans cet exode là. Kama alikuwa ndani ya ile kutoka hiyo. Il est dans cet exode. Eko tena ndani ya hii kutoka. Sa guérison. Uponyaji yake est ici maintenant. Iko hapa hivi sasa. Son sali. Yokovu yake. Il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et kuna kwa mtu mnyasha okolewa. Sali est maintenant ici. Yokovu ni hivi sasa hapa. Ne retourne pas. Hapana urudia. Sasa vale sali. Bila kupokea okovu. Le Saint-Esprit. Le Roho Mtakatifu. Tout ce dont nous avons besoin. Yote yetu tunahitaji. Est ici maintenant. Iko hapa hivi sasa. Le Saint-Esprit. Ou le Rome takatifu. Se met sur ce bâtiment. Et qu'on a tembea ndani ya hii majengo. Ici même maintenant. Hapa hivi, hapa sasa. Il pourrait sauver. Anaweza kuokoa. Chaque pécheur. Kila mtenda dhambi. Baptisé. Kubatiza. Chaque croyant. Kila mwamini. Guérir chaque malade. Uponesha kila mgonjwa. Sur cette pierre. Paijiwe. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa yangu. Et les portes du séjournement. Na milango ya makao ya rufu. Ne prévaudront point contre elle. Aisa isimpia kamwe. Abraham a dit alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh là là. Ah. J'ai envie de prêcher. Minashikia kubia kubiri. Najua l'ambiance qu'avait Branham Tabernacle. Ile mandamano ilikuwa ndani ya Branham maskani. Les gens sautaient. Watu walikuwa naruka ruka. Il leur disait. Kwani walikuwa wanaonesha. Hiyo tenye mnahitaji. C'est comme si il y a pas de malade. Inakuwa tu sapa pana magonjo. Utona tu sapa pana watu wana mambo. Utona tu sapa watu hawahitaji kitu. Kila mtu apanesha nikishika. Kusha nikukala baki. Na unacha neema ya Mungu. Wakati Branham alikuwa anasema hivi. Wanaona tout le monde était dans l'expectative. Watu wote walikuwa mhumaongocheo. Na imu katika ile hali. Il a dit. Na alisema. J'ai envie de prêcher. Nashikia bia kubiri. Sasa watu wanakuwa wazito. Tellement lourd. Wanakuwa wazito. Ce sont des opportunités comme ça. Kwa ni mabati ya hivi. Une écriture comme ça. Andiko ya hivi. Ça change le reste de votre vie. Kunabadilisha mabaki ya maisha yako. Mais vous devenez des bétons. Sasa mnakuwa ni mabeton mshakwikala. Je ne vous ai pas connu comme ça. Mais je kumita mwe kumiju hivi. Munasukua kwa sababu ya kila. Hakuna bantu wenye kushangilia. Ni mambo kani basi. Ce n'est pas ma parole. Haiko neno yangu. C'est la parole de Dieu. Ishi ni neno ya Mungu. C'est Branham qui parle. Branham ndio mwenye kusema. Qu'est-ce qui se passe? Ni mambo kani banduku.
On est venu ici pour adorer. Tout le coup, il y a pas de kumabudu. Et après ici, on sort encore. Nakisha, parce que toi, tu as enda. Et vous devez montrer à Dieu. Ça, on n'a pas chacun les chambres. Et chercher dans ta présence. Vous êtes manier quoi, katika wepo wako. Et aujourd'hui, c'était mon jour. Na leo, il y a quoi ici, kuyangu. J'ai envie de prêcher. Mina shikia bia kubiri. Écoutez. Sikiliza. Branham dit. Branham anasema. Je vois que l'air est fine. Naona kusema saa inapita. On a une longue ligne de prière devant nous. Tunakuwa na mlolongo mzima ya maombi mbele. Ne croyez-vous pas que? Eti waamini kama. Dieu se révèle au cœur humain. Mungu anakuwa anajifunua kwa moyo wa mwanadamu. Ile ufunuo ya kiroho. Ile Jésus-Christ. Ile ya Yesu Kristo. Prions pendant que nous avons la tête qui. Mbele wakati tunaona kichwa chenye kunjama. Notre Père céleste. Baba wetu aliyekuwa mbinguni. Quand nous pensons aujourd'hui. Wakati tunawaza leo. À ce merveilleux Seigneur Jésus. Kwa huyu Yesu Kristo wa majabu. Comme il est venu. Namna gani alikuja. Le sacrifice sanglant. Ile zabihu ya damu. Il est devenu l'agneau de Dieu. Alikuwa mwana kondoo wa Mungu. Comme l'agneau de Dieu. Mwana kondoo wa Mungu. Pour ôter le péché du monde. Jua kuondoa dhambi ya ulimwengu. Comment c'est saint. Namna gani hao watakatifu. Le Ancien Testament. Wa agano la kale. Attendez maintenant. Wewe unaongojea sasa. Sanu. Bila chie, ils ne sont pas parfaits. Abaya kamilika. Ils dépendent donc de notre foi. Beko na ongojea imani yetu. Dans la parole de Dieu. Dani ya neno la Mungu. Je crois. Na mini. Il est écrit dans les écritures. Imeandikiwa katika maandiko. Si on impose les mains aux malades. Kama wanatilia wagonjwa mikono. Les malades seront guéris. Wagonjwa watapona. C'est une vérité. Ile inakuwa ni ukweli. Il est révélé. Ya kiro ya ufunuo. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Je crois. Na mimi. Qu'elle est inspirée. Asema ilipuliziwa. Et je l'accepte ainsi. Na mimi na ye kunia kubali kwa vile. Sur cette base. Pa ile msingi. Je te prie. Na kuomba. Père, Baba. De guérir. Uponeshe. Chaque personne. Kila mtu. Qui est ici ce matin. Weke kwa hapa ya asubuhi. Qui est malade. Mwenye kugonjwa. Et dans le besoin. Mwenye kwa katika hitaji. Accorde-le Seigneur. Kubali Bwana. Bénis tous ceux qui ne sont pas. Bariki wale wote. Ce matin. Abaya kwa barabarani ya asubuhi. Ne te connaissent pas. Wenye abaya kutambua. Ils n'ont pas cette espérance. Wenye abaya kwa na ile kuona. Ane. Ndani ya abo. A qui. Kusema. Il n'a pas encore été révélé que Jésus. Ah oui, afunuliwa kusema Yesu. Et le fils de Dieu. Yeye ni mwana wa Mungu. Les hommes. Et qu'il va les sauver. Na anapenda kubaokoa. Si seulement. Kama tu. Il accepte. Bana mukubali. Et naisse de nouveau. Na banazalika mara pili. Accorde-le Seigneur. Ikubali e Bwana. Ramène le rebelle. Rudisha wa. L'homme qui est. Ule mtu mwenye kutangatanga. Celui qui n'a jamais entré. Ule mnyesha ingia kabali. Pour être lavé. Jua kuoshwa. Separé par l'eau. Na kutenganishwa na maji. De la parole. Ya kuoshwa kwa neno. Il se peut que ce matin. Inawezekana hii asubuhi. Ton esprit. Roho yako. Lui a parlé. Il seme naye. D'une façon mystérieuse. Muna tu ya kimisiri. Disant. Mukusema. Faible enfant. Mutoto msaifu. Viens ce matin. Kuja hii asubuhi. Viens sois sauvé. Kuja na okolewa. Je suis là. Ni uko hapa. Le bras tendu. Mikono imesha kunyoroka. Tayari. Disposé. Tayari. Et attendant. Na mwenye kuongojea. Pour sauver le perdu. Kuokoa waliopotea. Rendez aimable. Na wenye kunipenda. Ceux qui sont cruels. Wale wenye wachuki. Accorde-le Seigneur. Ikubali e Bwana. Car nous le demandons. Kwani tunaiomba. En son nom. Mujina yako. Et pendant que nous avons. Na mule wakati tuko. Tête inclinée. Na bichwa mwenye kuinama. Je me demande. Najiswali. Si on a dansé le bâtiment ce matin. Kuna wengine katika hii majengo ya asubuhi. Qui n'est pas Christ. Wenye hawana ndani ya Kristo. Qui voudra lever sa main. Aya kama naweza kuinyua mkono. Et dit, na kusema d'une façon ou d'une autre namna moja wala ingine. Oh Dieu hey, Mungu, dans mon cœur ndani ya moyo wangu à cet instant oui, wakati hivi sasa je crois na mimi que l'histoire du Seigneur Jésus historia ya Bwana yetu inakuwa ya kweli.
Je lève ma main pour l'accepter. Voudriez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse. 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 Je lève ma main pour l'accepter. Voudriez-vous lever la main pour Dieu? Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, la dame. Madame. La dame espagnole. Madame Kule. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Je vois un homme. Naona mutu. Âgé. Mwenye komea. Qui a levé sa main. Mwenye kunyo mkono yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Je vous déclare ce matin que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki asubuhi. Recevez les désirs de votre cœur. Tout est dans le pays. Yote ni ndani ya inchi. La guérison. Uponyaji. Est ici. Iko hapa. Le salut. Oko. Est ici. Iko hapa. L'argent. Pesa. Est ici. Iko hapa. Tout ce que tu as besoin. Yote ni unahitaji. Les enfants. Patoto. Est ici. Beko ni hapa. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Je suis là. Pour te le donner. Il est là. Pour montrer. Il est le Dieu de l'exode. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Simameni bwima. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour ton roi. Ton jour est passé. Jésus, sois mon guide.